Quatrième ouvrage de notre série « Colonialisme et littérature », un roman de Victor Ségalène, « Les immémoriaux », paru en 1907 aux éditions Mercure de France, sous le pseudonyme de Max Anelli. Un roman très étonnant en raison de la description quasi ethnographique de la culture polynésienne. Victor Ségalène est un nom particulièrement renommé à Bordeaux, notamment parce que c'est celui que portait jusqu'en 2014 l'université située place de la Victoire, devenue depuis Bordeaux 2. Victor Ségalène est donc plutôt un scientifique. Effectivement, parce que l'université en question est spécialisée dans les sciences de la vie, de la santé et de l'homme, et que Ségalène est un médecin de formation. Mais qu'est-ce qui le rattache à Bordeaux, lui qui est un Breton de Brest, où il passe son enfance, son adolescence, et où même il y mourra? Parce que c'est à Bordeaux qu'il accomplit sa formation de médecin, de 1897 à 1902, dans le cadre de l'école de santé navale. Et est-ce vraiment à ses qualités de scientifique qu'il doit sa réputation? On peut penser raisonnablement que non, car son parcours d'ethnographe, de romancier, de poète, d'archéologue et de sinologue est sûrement plus emblématique que sa profession de médecin de marine. Il s'intéresse également à la musique et écrira de nombreux ouvrages d'ailleurs publiés, essentiellement à titre posthume. Et quels sont les faits marquants de sa biographie? Ses missions à l'étranger. En Océanie, où chargé notamment de rapatrier la succession de Gauguin, dont l'œuvre le fascinera, il se passionne pour la culture polynésienne, et en Chine, après avoir appris le mandarin. Il a une vie très courte, puisqu'il meurt en 1919, à 41 ans, de façon un peu mystérieuse d'ailleurs. Il souffrira tout au long de sa vie de dépression, due peut-être à l'usage de l'opium, et peut-être aussi à une enfance très puritaine auprès d'une mère assez dominatrice. Son œuvre est plutôt de type scientifique. Oui, même si l'aspect romanesque est présent, ses récits sont centrés sur des expériences de voyage. On classe son œuvre par cycle, selon la chronologie et les lieux de ses affectations professionnelles. Est-ce à dire que c'est un auteur qui compte dans la dénonciation du colonialisme? A priori, oui. Les immémoriaux, par exemple, dénoncent les méfaits du colonialisme en racontant l'agonie de la civilisation maori, décimée par la présence européenne. Par ailleurs, il se refuse à la littérature exotique, illustrée par exemple par Pierre Loti, qui, elle, s'en tient aux clichés. Sa correspondance également donne l'image d'un homme défenseur des cultures menacées. Cependant, cette correspondance a été expurgée par sa femme et sa biographe, l'universitaire Marie Dollet, considère qu'il profite plus du système colonial qu'il ne le défend des peuples opprimés. Et quel est le sujet des immémoriaux et en quoi cette lecture est originale? La lecture des immémoriaux est une expérience enrichissante, novatrice, voire ardue. Le récit est rédigé dans une langue poétique et charnelle. La culture maori est magnifiée, notamment parce que le point de vue et celui des Polynésiens. Le texte dénonce la présence des colonisateurs qui veulent imposer les mêmes cultures, les mêmes usages aux quatre coins du monde. Enfin et surtout, c'est un violent pamphlet anti-religieux. Justement, est-ce un roman comme son auteur le considérait en postulant au prix Goncourt ou un témoignage de type ethnographique comme l'illustre sa parution plus tardive dans l'édition Terres humaines? Sûrement les deux. En suivant l'histoire de Terry, lui-même personnage mi-fictif, mi-réel, on connaît celle du pays, des différentes ethnies et des rois, ainsi que la géographie de ces îles de la Polynésie. Comme le fait un personnage du récit, qui cherche à recueillir les histoires oralisées des anciens pour les conserver, le lecteur comprend vite comment le colonialisme et la religion chrétienne détruisent la civilisation maori. Comme abandon des valeurs traditionnelles, du mode de vie, et christianisation plus ou moins forcée, mais aussi disparition physique des populations. Ainsi, en moins de 100 ans, 60% de la population disparaît.
Enfin, l'utilisation très fréquente du vocabulaire tahitien dans le texte, avec glossaire à la fin, ainsi que les références historiques en notes, dans l'ensemble du récit, symbolisent de fait cette dualité fiction-témoignage. Eh bien, nous vous proposons cependant un petit résumé du livre et quelques extraits qui nous paraissent significatifs de l'ensemble du texte. Terihi, dit le récitant, raconte les histoires premières et les gestes qui ne doivent pas mourir, entre guillemets, celles du peuple maori. Ayant failli dans son récit, il s'enfuit sur les bateaux européens. 20 ans plus tard, Terihi revient chez lui, où la société n'est plus la même en raison des conflits latents entre différentes ethnies et de l'évangélisation chrétienne. Les noms ont été « christianisés », entre guillemets, les récits traditionnels modifiés, la messe devenue obligatoire et britannique, puis les Français se sont installés dans les îles. Terihi, rebaptisé Lakoba, prostitue sa fille pour 2 sacs de clous, abandonne ses anciens compagnons à la mort pour devenir diacre. Où Terihi, l'apprenti prêtre, oublie les mots de sa prière, signe de mauvais présage. Or, comme il achevait avec grand soin sa tâche pour la nuit, nuit 15e après la lune morte, voici que tout à coup le récitant se prit à balbutier. Il s'arrêta et, redoublant son attention, recommença le récit d'épreuve. On y dénombrait les séries prodigieuses d'ancêtres, d'où sortaient les chefs, les Airi, divins par la race et par la stature. Dormait le chef Tavi du Marae Taotira, avec la femme Taorua, puis avec la femme Tiuterai du Marae Papara, de cela Naki Teri Taya Imarama. Dormait Terihi Taya Imarama avec la femme Teutuai Meritini du Marae Vairio, de cela naquit. Un silence pesa avec une petite angoisse. Ah oui, que présageait l'oubli du nom? C'est mauvais signe. Lorsque les mots se refusent aux hommes que les dieux ont désignés pour être les gardiens des mots. Terihi eut peur. Il s'accroupit et, adossé à l'enceinte, en une posture familière, il songeait. Où Terihi observe les missionnaires. Terihi, paisiblement, avait repris ses allées dans la nuit, et son corps d'homme vivant n'avançait point qu'une démarche moins sûre que les pensées de son esprit, qui le conduisait désormais sans une défaillance par les chemins broussailleux du passé. Cependant, il désira connaître les ennemis de sa race et quel avait été contre eux le succès du maléfice. Or, parmi les pirogues étrangères, issus d'autres firmaments, d'autres mondes peut-être, qui en grand nombre atterrissaient à l'île, la dernière, plus que toute autre, avait inquiété les gens du rivage Ata-Uru. Elle n'était point chargée de ces jeunes hommes turbulents et irascibles, armés de bâtons luisants qui frappent au loin avec un grand bruit. Nul de ces guerriers, ni ces chefs, n'avait mis dès l'arrivée pied à terre, mais des chants en descendaient, monotones, sur des paroles aigres. On y voyait des femmes à problème. Jusque-là, certains doutaient qu'il en existât.
Ces femmes n'étaient pas très différentes des épouses tahitiennes, seulement plus pâles et maigres. Et les riverains d'Ataourou contaient là-dessus d'extravagantes histoires, assurant que les nouveaux venus, trop attentifs à considérer sans cesse de petits signes tatoués sur des feuilles blanches, ne se livraient jamais ouvertement à l'amour. C'était bien ces impies qui avaient désigné Paofaï Tehiri se prépara donc à pagayer vers eux. Où Ahamani, le grand prêtre converti, trouve que le nouveau dieu, Kérito, Christ, mérite de belles offrandes. Les hommes blêmes se remirent à chanter, mais l'assemblée s'en détourna. À quoi bon louanger un dieu si peu magnifique? Sur le rivage sans écho se dispersaient pauvrement les sons de leur hyménée, amen, domptés par d'autres sonorités saintes, majestueuses et fortes. Voix du vent dans les branches sifflantes, voix du récif hurlant au large. Soudain reparurent les serviteurs d'Ahamani. Ils balançaient un grand fardeau vêtu de feuilles. « Pour moi, dit le sacrificateur, voici mon offrande à Jésus-Christ, qu'il me donne en retour ma terre Raïtéa. » Il éparpilla les branches, un cadavre parut, la face était verte et on avait brisé le crâne à coups de massue. Fier de sa générosité, le prêtre de Oro attendait, dans la bouche des étrangers, des paroles flatteuses. Mais ils s'agitèrent sans plus. Notez, le chrétien considérait avec effroi l'homme mort et ne semblait se soucier de présenter l'offrande. Ahamani s'impatienta, jeta des ordres et les porteurs de victimes, soulevant à deux le cadavre, le balancèrent un instant, bras tendus, plus haut que les têtes. Le corps tomba sur les tréteaux. La face branla, pendit en arrière. Ahamani porta la main pour accomplir les gestes sacrés. « Malheureux, malheureux !» pleurait le puritané britannique, balbutiant comme un enfant épouvanté. Terii constate le changement chez ses compagnons. Et voici que plusieurs, apeurés soudain, coururent en s'éclaboussant vers la rive. D'autres, moins promptes, s'accroupissaient au milieu du courant pour cacher peut-être quelques parties du corps nouvellement frappées de tapu. Et d'où venait cette alerte? Un étranger au visage blême, porté sur les épaules d'un fétéi complaisant, passaient la rivière et jetaient de loin des regards envieux, comme ils le font tous sur les membres nus, polis et doux. N'était-ce que cela? Et en quoi l'œil d'un homme de cette espèce peut-il nuire à la peau des femmes? Elles feignaient pourtant de fuir comme on fuit la mâchoire d'un requin, et leur effarement parut à Téhérii quelque chose d'inimaginable. Décidément, tout n'était plus que surprise ou même inquiétude pour lui. Ses compagnons, tout d'abord, ces hommes si proches autrefois de lui-même, n'avaient rien gardé de leurs usages les plus familiers. Leurs vêtements, couleur de nuit, le silence en un jour qu'on déclarait joyeux et solennel, la morne assemblée sans festin autour d'une maigre parole, sous une toiture brûlante, et ceci par-dessus tout, qu'on put réciter les signes. Oh, encore, la honte des femmes dévêtues. Tout se bousculait dans l'esprit du voyageur, et son étonnement égalait celui de ce pilote qui, pour regagner la terre ouaninée, s'en fut tombé sur une autre île, dans un autre firmament. Téhéri se demanda sans gaieté si la terre Tahiti n'avait point, en même temps que de dieu et de prêtre, changé d'habitant ou de ciel. Il se reprit à errer au hasard, plus indécis que jamais. Où
où Terry énumère les interdits des chrétiens. Il parlait en lui-même, au hasard, se répétait stupidement les propos entendus, remâchait les interdits révélés, et s'en interloquait. Ne pas manger en ce jour de repas apprêtés, ne pas danser, ni chanter, sauf de bien pauvres pays, ne pas caresser de femmes. Quoi donc aussi ? Malgré que la lumière triomphante et bleue fût épanouie encore, malgré que les montagnes paisibles et abreuvées d'eau courante, il les vit encore descendre à sa droite, à sa gauche, vers les confins des rives, malgré que le visage tumultueux des sommets eût gardé des formes familières, malgré que le récif coutumier n'eût point changé de voie, Terry sentit violemment, avec une angoisse, combien les hommes et leurs parler et leurs usages, et sans doute aussi les secrets désirs de leurs entrailles, combien tout cela s'était bouleversé au souffle du Dieu nouveau. Et quelle terre surprenante, enfin, ce Dieu avait tiré des abîmes par un exploit égal à l'exploit de Maui, pêcheur des premiers rochers. Il sursauta. J'irai vers le Marae, le temple. Les dormeurs soulevèrent un coin de paupières, et comme il répétait son désir, s'esclaffèrent bruyamment. « Païen, païen !» dit Rebecca sa femme. Elle plia le coude et se rendormit. « Ignorant, mauvais ignorant !» rajouta sans rire Samuela. Mais dans le grand voyage, personne ne l'avait donc tiré de cette erreur lamentable, de cette nuit de l'esprit. Il n'y avait donc point de missionnaires dans ces îles ? Terry soupçonna que l'on désignait ainsi désormais les hommes au nouveau parler. Il s'étonna de l'importance et du respect donnés à de si piètres compagnons. Mais il n'osa point questionner encore, non plus qu'il n'osa raconter comment deux hommes, quelque part dans son voyage, avaient annoncé la toi Terito, Christ. Pas longtemps. On les avait tués ou chassés. Il s'arrêta par dépit. Où Terry se convertit et devient Yacoba. Terry, contre tous les autres, n'aurait donc pas reçu le rite. Ne pouvait-il aussi bien qu'eux reprendre les paroles du candidat ? Se laissant aller à la foule, il se retrouva bien vite dans l'eau jusqu'aux épaules, comme les autres. Un baptisant commençait. « Reconnaissez-vous croire à Jésus Kerito comme au seul sauveur des hommes ?» Terry répondit à peine. Déjà l'autre lui avait inondé le visage et jeté les paroles. Comme de nouveaux arrivants attendaient impatiemment sur le bord, il dut leur faire place. Il s'ébroua sans bien comprendre, mais satisfait et mieux attentif à sa personne, il était chrétien. Non plus Terry l'ignorant, Terry quel nom stupide. Aussitôt, il voulut s'en dépouiller, et comme il murmurait au hasard le premier mot qu'il lui fait rire à son retour, et qu'il l'eût retenu, Yacoba. Il dit gravement, « Je me nommerai Yacoba. » Ensuite, il tâta ses membres, ainsi qu'il avait fait jadis dans la nuit du prodige. Ses membres gardaient leur forme et leur couleur. Il ne lui parut point que son haleine fût plus longue, ni ses yeux plus habiles à lire les présages dans le ciel. Une grosseur qu'il portait sur le pied gauche n'avait pas rapetissé. Ses dents ébréchées ne s'étaient point aiguisées de nouveau. Une fois de plus, malgré son double effort, le prodige et le baptême, rien ne changeait dans son corps d'homme vivant, que son nom peut-être. Il en conçut une fierté avec un dépit. Où les Maoris sont soumis à la nouvelle loi des chrétiens. Pour chaque faute, pour chaque erreur et chaque négligence, la loi toujours avait réponse et semblait tout prévoir. Afin que personne ne pût à l'avenir se targuer d'ignorance, le réformateur commença de lire, en les entourant de parlers profus, tous les interdits qui n'avaient pu, en ce jour, s'illustrer par des exemples. Il expliquait donc, avec ces mots à demi puritanés, dont nul ne riait plus, ce qu'il fallait entendre par « vol », ce qu'on nommait
propriété, ce que signifiaient achat, vente, location, adultère et bigamie, séduction, testament, ivrognerie, tatouage volontaire, délation fausse et délation vraie, dommages causés par les chiens, dommages causés par les cochons. La plupart des auditeurs ne discernaient pas exactement lequel de tous ces crimes était le plus détestable. Mais la foule rusée en retenait bien vite un bon enseignement. C'est que tout cela, vol, vente et bigamie, et le reste, se concluait de la même façon. 40 brasses de route, ou plus ou moins, et l'on pouvait recommencer. Ainsi faisaient la rivière et les hommes. On jette un pot, les eaux l'emportent, et l'homme rebâtit. Ainsi de la loi et des gens, on fait la faute, on fait la route, et l'on refait tout à loisir. Uterii Iacoba, devenu diacre, laisse condamner à mort son père, le grand prêtre Paufai, qui résiste à la conversion. Le diacre Lévi, avec un grand ennui, s'approchait de sa personne. Il recula vivement afin que son maraud noir, il le vêtait pour la seconde fois, ne fût point souillé par l'approche des coupables. Mais Paufai bondit sur lui et très vite, à voix essoufflée, « Cache-nous, Téhéri, dans ton faré. Tu es prêtre de ces gens-là. » Il jeta la main vers les autres. « Dis-leur que la place est tapue. Quand tu es tapue, que nous le sommes, dis-leur. Comme j'en ai fait pour toi, je t'ai tiré de dessous les haches. Cache-nous, reçois-nous comme tes hôtes. » Homme sans mémoire, Téhéri qui a perdu les mots, Téhéri qui m'a nommé son père, j'aurais dû te serrer le cou dans ton premier souffle. On l'entraîna sur le corail encore, selon le châtiment. De plus loin, Téhéri, Téhéri, tire ton œil et fais-le manger à ta mère. Les assistants frémirent sous l'épouvantable injure. Iacoba souriait en considérant les matelots et leurs faits. Oaïté lui bondit au visage. Tu as vendu ta fille, tu es... C'était là, parler inutile. La foule avait compris et bousculait le jeune homme en riant. Et tous attendaient que le diacre, confondant ses insulteurs, fît à ses nouveaux fidèles un beau discours d'arrivée. Or, le chrétien ne répondit pas à ces injures, bien qu'odieuses, impies et propres à le déconsidérer. Le livre dit « Tu pardonneras les offenses ». Et d'ailleurs, on ne pouvait descendre à discuter avec un vieux fou de sauvage et un petit piritané sans emploi. Puis toutes les craintes étaient loin. Kerito récompensait déjà son serviteur bien avisé. Ouvrant les sacs que les deux Farani laissaient tomber à ses jambes, Iacoba dit fièrement au Fétéi « Voici vos clous !» Ensuite, il montra le rivage, la route royale, l'emplacement propice, l'amas de planches toutes prêtes, et il fit comme faisaient les missionnaires dans certains jours manifestement inspirés. Enfin, il étendait les deux bras. « Nous bâtirons la maison du Seigneur, Otana pour Kerito. » Les fidèles répondirent « Améné ». Et dans un nouvel enthousiasme, ils s'empressaient tous à l'ouvrage. Mais le diacre tout d'abord rajusta décemment un pli de son maraud noir que le vieux avait défait en s'y raccrochant. Ananahi
Oh, widow.